aujourd'hui pour une ouverture que ça fait longtemps que j'ai fait sur ma chaîne. C'est de l'ouverture de Mystère Mini. C'est pas Harry Potter, tout ça. C'est Disney. C'est sur la Reine des Neiges 2. Voilà. J'ai enlevé l'emballage dessus pour pas vous faire vous montrer mieux et il n'y aura pas le reflet. J'en ai 4 à ouvrir. J'en ai acheté 4. Je voulais en acheter plus, mais j'ai dit on va voir si vous aimez bien ces vidéos. Normalement, vous aimez bien, mais je suis beaucoup Harry Potter. Et vous savez bien que je suis une fan de Disney, Marvel, tout ça. Je me suis dit, bah, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait ça sur ma chaîne. Et en plus, c'est moment de Noël, tout ça. C'est la Reine des Neiges, tout. C'est l'hiver. Je me suis dit, pourquoi pas faire une petite ouverture. Ceux-là, je les ai trouvés à la Fnac au prix de 6,90 €. Ça fait 7 euros le petit sachet, la petite boîte. Il y a un peu tous les poids. J'ai pris honnêtement au pif et on verra qu'est-ce qu'on aura. Hein. Allez, on va commencer. On va ouvrir tout ça. Hop, en même temps, je vais vous montrer le papier jean. J'adore cette petite figurine, je kiffe ça. Hop, la boîte se présente comme ceci. Vous avez les personnages. Voilà les personnages qu'on peut retrouver. Je vous les dis pas parce que je pense que vous les connaissez. Honnêtement, celui que j'aimerais avoir le moins, c'est la dernière ligne. La dernière ligne, je ne voudrais pas les avoir. Mais sinon, on verra ce qu'on a. Avoir les spéciales. J'ai déjà des Reines des Neiges, vous avez peut-être vu sur ma chaîne, j'ai Elsa, tout ça. Mais un ou deux, trois de. C'était l'ouverture Disney des Mystères Mini sur les princesses et leurs compagnons. Ah, j'aurais dû ouvrir ça. Enlever ça avant. Mais c'est pas grave. Hop, on va faire ça tout de suite. Oui, j'ai Elsa, j'ai Anna, j'ai Vince. Olaf, pardon, Olaf, Olaf. J'ai Olaf en personnage princesse et leur compagnon. Et j'espère ne pas avoir cela. Bon, c'est vrai, c'est pas du tout la même version, c'est pas la même habit, tout ça. Mais avoir d'autres petites choses, pas Olaf, parce que j'en ai déjà. Voilà. On verra si c'est pas le même. La même posture, je sais pas, j'ai pas du tout, mais pas du tout regardé. Allez, on va commencer ça tout de suite. On va l'ouvrir et on va voir qui on a. Il y a une ou deux qui sont bonnes. Oh. Ah, je pense qu'on a Olaf. C'est 1 sur 6. C'est 1 sur 6. Et on a. Olaf! On a Olaf, bon, ça va, bon, il est mignon. Oh, il a plein de petites taches dessus. Ah, c'est des petits flocons. Je sais pas si vous verrez, il y a plein de petits flocons dessus. J'aime bien. Bon, voilà. C'est la première ouverture. Pas trop, trop. Il y en a une ou deux qui sont bien lourdes. Celle-là, elle est lourde. Celle-là aussi, elle est lourde. Elle est bien lourde, celle-là. On va l'ouvrir. Ça me. J'espère pas avoir le personnage en pierre, là. Je sais plus, je l'ai vu récemment par sa nage en pierre, c'est les géants là. J'espère pas du tout avoir ça. C'est. Ah non, c'est un personnage. Je penserai à. Ah, le copain de Anna. Et on va voir qui. Oui, je sais plus comment il s'appelle. Ah, oh, j'ai un trou. C'est lui. Je l'ai pas, c'est nickel. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai un trou de mémoire. C'est vrai. Il est lourd, hein. Bon, on a encore un autre qui est lourd. On va voir ça aussi. Ça, ils sont bien lourds, je trouve. Je me bats avec le papier jean. Hop, qui on a? Ah, je penserai au cheval. Ouais. Je penserais au cheval. Ouais, il est pas mal du tout, on dirait. Pas de méchante. Mais il est pas mal du tout. Il est canon, franchement, il est pas mal. Pas mal. Sur le dessin et en vrai, il est pas mal. Bon, ça fera. Si j'ai Elsa, je le mettrai à côté.
sera son, en plus dans le 2, c'est son nouveau compagnon. Il nous reste une. Voilà. Et il tient pas trop debout. Misérable. Bon, j'espère pas avoir de doute. Ça serait une ouverture parfaite. Mais avec ma chance que j'ai, c'est. C'est un tout petit personnage. Je penserais à Anna. À Elsa, je penserais. Ah non, pas du tout. C'est Anna de la nouvelle version 2. Oh, franchement, contente de cette ouverture. Honnêtement, j'ai aucun double. Je suis trop contente, je suis trop happy. Oula! Pour une nouvelle ouverture, elle est super canon. J'adore. Elle est super belle. Oh, bah, ma préférée, honnêtement, bah, je sais pas du tout. Bon, je vais couper. Je vais vous faire voir cela que j'ai déjà de la Reine des Neiges pour comparer tout ça, d'accord? Bon, j'ai téléchargé cela que j'avais eu avec les princesses et les compagnons. On pour les comparer, voilà. On va voir ça tout de suite. Bon, celui-là, c'est le petit Olaf qu'on a eu aujourd'hui. Et celui-là. Ah, pardon, j'ai un petit bugger. Celui-ci, celui-là de la. Les princesses et leurs compagnons. Je trouve il y a une belle évolution. Franchement, celui-là est super mignon. Que l'autre, bah, il est simple. Et en plus, là, il a ses petites jambes, mais pas là. Franchement, il y a eu une évolution. Franchement, sympathique qu'il puisse évoluer. J'ai eu. Un peu sale. J'ai aussi celle de Elsa. Bon bah je ne l'ai pas eu aujourd'hui, je ne peux pas vous la comparer. Mais on peut voir sur l'image que bah c'est pas du tout la même tenue, tout ça. Les yeux, c'est pas les mêmes, tout ça. Mais c'est à voir en vrai. J'ai aussi bah, Anna dans la version 1 avec ses tresses, avec la petite mèche blanche qu'elle n'a plus. Dans le 2, bah c'est pas du tout la même. On voit bien l'évolution, c'est ça qui est super. Là, les cheveux détachés avec ça, toujours une tresse. Pas du tout la même tenue, mais on voit bien l'évolution, les personnages. Je trouve ça super. Et j'adore. Franchement, bah, c'est une super ouverture. Et j'ai pas de doute. Franchement, je suis super, mais super contente de cette ouverture. Dites-moi pardon, en commentaire bah, ce que vous avez préféré de cette ouverture, lequel? Le copain d'Anna. Anna. Olaf. Ou le nouveau compagnon de Elsa, le petit cheval. Oui, sympathique. À côté, exposé côte à côte, ça peut être sympathique. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour d'autres ouvertures, comme d'habitude. Quand je peux en trouver, je vous les achète. D'un petit prix. Bon, ça va, 7 euros. Ça va. Vous voulez acheter des Marvel, je vous trouve toujours 10 euros, tout ça. Je me suis dit. Ça commence un peu à être cher, mais voilà. Si je trouve. Faut que je retourne à Micromania, tout ça, pour retrouver des petits sachets pour faire des ouvertures. En plus, bientôt les soldes en janvier. On va voir ça. Si on pourra faire des ouvertures de Mystère et Mini. Ou des Pizza Heroes ou d'autres ouvertures pour revenir tout ça. Ça fait un peu longtemps que je vous ai fait sur la chaîne. Et je reviens en force tout doucement, mais je reviens. Allez, je vous laisse. Et dites-moi en commentaire lequel personnage vous avez préféré de cette ouverture. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, bye. Bisous.